Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on est parti pour cette guidance coup de boost. Quelle date sommes-nous? Oui, la semaine du 13 mai au 19 mai. Voilà, donc je rappelle que ces guidances sont générales, on va aller voir un peu les énergies pour cette semaine, mais bien sûr, garde ton discernement, il est possible que tout ne te parle pas. Bien évidemment, donc renoue bien avec ton intuition pour prendre les messages qui peuvent te concerner et laisser le reste de côté. Je te rappelle d'ailleurs qu'il y a, pour te permettre de renouer avec ton intuition et de la développer à bon escient, autant pour les petits choix du quotidien, pour être vraiment aligné à tes besoins au quotidien, mais aussi pour pouvoir prendre des décisions éclairées, authentiques, pour les grands choix de ta vie, eh bien, je te rappelle que tu as en téléchargement gratuit sur mon site l'e-book sur l'intuition où je te partage mes expériences, ce que j'ai compris, ce que la vie m'a enseigné par rapport à l'intuition. Tu as dans cet e-book aussi pas mal de questions basées sur des techniques de coaching holistique pour te permettre de comprendre peut-être quelles sont tes croyances, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas d'intuition et qu'est-ce qui fait que du coup tu bloques ton intuition au quotidien. Et tu as aussi des mises en pratique, des exercices qui peuvent t'accompagner pour développer ton intuition. Voilà, donc tout ça c'est sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et puis si tu souhaites une guidance privée, eh bien c'est pareil, tu peux venir la commander directement sur mon site. Allez, on est parti, on va aller voir ça avec les tarots, voir un peu l'énergie de cette semaine. C'est parti mes amis. Alors, je tire toutes les cartes. Si tu trouves que c'est trop long, eh bien tu peux avancer un petit peu la vidéo. Surtout que eh ben, ça ne veut pas parler. Voilà. Alors, tac. C'est celle-là. Bien. Il y en a une deuxième. Non, je crois qu'il y en avait une deuxième. Oui, d'accord. Donc ça, je voulais la placer là pour que ce soit plus clair pour moi. Et d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais poser comme autre question? Bon, ben on verra. On va voir, on va voir. La tempérance. La tempérance et la tour. Ah bah tiens. Patience, mes amis, patience. Vous attendez qu'un changement arrive. Sauf que c'est un changement qui ne peut pas se forcer. Ici, ça se fait en âme et conscience, ce changement pour cette semaine en tout cas. Peut-être un changement d'habitude aussi ou de posture. Il y a un besoin de changer sa vision des choses peut-être. Sauf que ici, on t'invite en fait à trouver un équilibre entre tes actions et tes émotions. Et comment est-ce que tu trouves une clarté mentale, en fait, surtout une confiance dans les événements, d'accord ? Donc ne force pas les choses pour cette semaine, laisse-toi guider. Je dirais qu'on est encore un peu baigné dans les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui nous invitait vraiment à nous reconnecter au moment présent avec cette notion peut-être de... quand on voulait un petit peu trop se projeter dans l'avenir, ça nous désalignait très rapidement, ça nous déconnectait en fait de la réalité dans laquelle nous vivons actuellement au quotidien. Et à chaque fois que, enfin ces derniers temps, je trouve qu'à chaque fois qu'on a voulu anticiper les choses de trop, et bien tout de suite ça nous mettait soit dans une anxiété, soit dans vraiment une dissociation en fait de notre conscience corporelle, de ce qu'on est en train de vivre là. Donc il y avait vraiment presque un état de fatigue, de désagrément quelque peu physique, etc. Une sensation de se sentir
pas bien dans sa peau ou un peu à côté, avec des... Il y a quelque chose qui a changé, mais tu sais pas trop quoi. Tu as posé peut-être des changements, mais tu n'as pas encore ancré ça dans ta conscience. Et du coup, bah, voilà, il y a cette impression un petit peu encore qui persiste de pas être tout à fait bien dans sa peau. Donc ça, c'était surtout la semaine dernière, hein, relié à la nouvelle lune qui a eu lieu mercredi dernier. Mais je trouve qu'on est encore un peu dans cette énergie-là où finalement on t'invite à profiter du moment présent parce que oui, il y a du changement qui arrive, oui, tu as déjà mis en place du changement, ne serait-ce que dans tes pensées, dans tes objectifs, mais sois patient, patiente, hein, par rapport à ça. Parce que ici, cette semaine, on est quand même en train de retrouver une énergie de feu, une énergie peut-être de nouveauté, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles actions même, mais il ne faut pas que ce soit par culpabilité parce qu'on est plongé un peu dans une inaction, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que ces derniers temps, on a été vraiment invité à juste se poser là et à profiter de temps de repos aussi. En tout cas, de temps de repos peut-être mental, justement, par rapport à des objectifs futurs, etc. Là, on nous apprend à recevoir. Et cette réceptivité qui nous prépare quand même, avec ce valet de bâtons, à se mettre en action, hein, quand même, à poser des nouvelles actions, il n'empêche que tout ça, c'est pour venir guérir des blessures, pour venir nettoyer, je pense, se débarrasser en fait d'un passé peut-être un peu lourd, avec peut-être des douleurs physiques qui persistent encore, alors qu'au niveau des émotions et des pensées, tu es déjà dans un nouveau cycle, tu es déjà dans une nouveauté. Mais je rappelle que le corps, la conscience corporelle, et donc, ouais, la conscience corporelle, en fait, elle est beaucoup plus lente à intégrer les choses et donc à se débarrasser aussi des traumas, des émotions qui ont été cristallisées. Ici, avec ce 3DP, on me parle vraiment de ce modèle, le modèle de Brooke Castillo, où en fait, les pensées génèrent des émotions qui génèrent des actions, qui génèrent donc des résultats. Et si tu as des pensées qui sont reliées au passé par rapport à des événements que tu regrettes ou qui ont été blessants pour toi, eh bien, les émotions qui y sont reliées ne sont pas tout à fait évolutive pour toi, elles te maintiennent, hein, c'est comme une autoroute tracée à l'intérieur dans tes mécaniques intérieures. Ces émotions, elles sont pas forcément évolutives, elles te permettent pas forcément de poser des nouvelles actions, des actions qui sont au service de ce que tu veux enclencher comme mouvement, comme changement. Donc ici, il y a un équilibre, hein, avec cette tempérance encore toujours à trouver entre le feu et l'eau, donc entre les émotions qui sont générées par des pensées, par une vision de ton passé en fait, et notamment tous les événements qui ont été un peu douloureux. Et donc ces émotions, elles sont à continuer de nettoyer jusque dans ton corps pour te permettre d'avoir un véhicule complètement léger, en fait. Léger, comme ce valet de bâton a posé des actions qui ont du sens. Peu d'actions, mais les bonnes, voilà. Ouais, bah oui, avec le 5 de coupe ici, il y a quand même... Il y a cette tendance un petit peu, encore, je crois qu'on avait ça la semaine dernière aussi, hein, il y a cette tendance peut-être à, quand tu te mets à parler, à communiquer ou à avoir des échanges avec les gens, t'as tendance en fait à te surprendre, à dire comment je peux dire ça, à raconter ce que tu vis plutôt du côté lourd, négatif. Il y a un peu une petite sensation de se plaindre et même toi, ça te plaît pas forcément en fait. Mais c'est parce que ici, il y a encore besoin, je pense, de faire silence, non pas d'être dans le déni de ses blessures intérieures, mais plutôt de faire silence pour ne pas nourrir de par tes paroles ces espaces de blessures qui se sont ouverts dernièrement, qui se sont rouverts. Hein. Donc ici, il y a plus besoin de faire silence et limite d'agir plutôt que de parler. De bien agir plutôt que de parler, parce que tes paroles peuvent encore être empreintes d'un passé douloureux, pourquoi pas, ou de doute. Hein. Alors qu'ici,
tu as quand même la capacité de faire les choses autrement, de créer une autre réalité que celle qui se vit encore un petit peu en toi. Oui, bah voilà, bah on a en apprentissage du passé, on a cette reine de deniers qui cette fois-ci est à l'endroit, puisque la semaine dernière elle était à l'envers, donc il y a quand même effectivement eu, je pense avec les énergies de la nouvelle lune en taureau, quelque chose qui s'est implanté, qui s'est ancré. Tu as su, je pense, dans les jours précédents, t'apporter du soin et je sens cette reine de deniers, elle était pas forcément en train de prendre soin des autres. Enfin, voilà, il y avait plus un nettoyage de sa maison intérieure, de son foyer, de son corps et de toutes ses blessures, et puis des regrets aussi, hein, plus que dans cette dynamique d'aller partager, d'aller donner du soin aux autres, d'aller, enfin voilà, d'être au service des autres. Ici, cette reine de deniers, elle était plus au service d'elle-même et c'était tout à fait nécessaire, en fait, hein, de prendre soin de soi. On n'a pas le 4 d'épée encore, mais je pense que, enfin, je le ressens quand même un petit peu, ce 4 d'épée là. Alors, ce qui a besoin de regarder de plus près, c'est que certainement que tu t'es tellement concentré. Il y a quand même une certaine dualité hein, ici entre ces deux cartes. Et donc cette semaine, tu continues de te concentrer effectivement sur ton bien-être, sur le fait de te sentir bien dans ton corps, dans ta maison, etc. Et puis aussi peut-être dans ce que tu as déjà créé dans ta vie. Hein. Il y a comme une certaine. Un sentiment encore qui persiste cette semaine comme la semaine dernière, un sentiment de ne pas forcément ressentir ni de la tristesse ni de la joie, de pas être trop sûr en fait de ce que tu ressens dans le cœur, d'être un petit peu déconnecté de ce cœur, mais parce qu'en fait ce cœur il est en train de se guérir. Il n'y a rien de plus à faire si ce n'est être juste là comme cette reine de deniers, posée, à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, dans les pensées, dans les émotions, être juste observateur, observatrice, et puis à des moments être dans la spontanéité pour poser une action comme ça parce que tu sais que ça c'est ok, ça c'est juste, ça a du sens, tu sens que ton énergie vitale te pousse à poser ces choses-là. Mais il y a comme l'impression qu'il y a eu une déconnexion, enfin, c'est pas vraiment une déconnexion négative, mais c'est juste que tu t'es pas trop sûr de sentir ce qui se passe au niveau du cœur et au niveau des émotions. On te dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préciser. De se préciser dans tes émotions ou à l'avenir, hein, je sais pas ce qu'on a à l'avenir, mais ouais, il est à l'envers. Mais en tout cas, j'allais dire, à l'avenir, tu vas sentir beaucoup plus cette précision et ce focus et cette lumière, un peu comme un éclair, hein, un éclair de génie du cœur. Mais là, en ce moment, c'est encore un peu la balance qui... Enfin, ta présence est soit dans ses émotions et ses pensées du passé qui sont en train d'être nettoyées, et toi, tu observes ça et tu prends conscience des enseignements du passé pour être plus serein, sereine déjà vis-à-vis de toi-même. Et puis, des fois, ton focus est un peu plus sur, bah, effectivement... cette énergie nouvelle de feu qui peut te mener vers le fait de poser une action. Mais là, cette semaine, il y a quand même comme une impatience à vouloir aller plus vite que la musique, à vouloir être vraiment réaligné. Sauf que on te dit bien qu'il te faut profiter de cet état qui peut comment te faire croire, soit à toi, soit faire croire aux gens qui t'entourent que tu es un petit peu dans un état bipolaire. Mais cette inaction et en même temps des moments d'action, ça va vraiment te permettre de recevoir quelque chose. En fait, là, toi, tu apprends à être créateur, créatrice de ta vie cette semaine, mais en recevant surtout, en étant dans la réception d'une nouvelle information, d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle opportunité. Ok, je vais quand même regarder ce chevalier de deniers à l'envers. Qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Parce qu'il y a, y a une impatience ici, je trouve. Hein, on avait quand même en premier message cette. Comment ça s'appelle? La tempérance, voilà. Il y a une impatience. Ouais. Une impatience et donc encore des espaces, en fait, qui sont mus. Des espaces mentaux en fait qui sont mus par le passé, par des expériences passées pas forcément très confortables, qui te font croire que ce que tu vis actuellement et que cette réceptivité, tu n'y as pas droit, tu n'es pas légitime à recevoir, que c'est à toi de travailler dur, de travailler sur toi, de générer des actions, ce que tu souhaites recevoir dans ta vie comme changement, tu as encore cette perception. De par le passé ou même de par ton éducation, que c'est à toi de le créer. Oui, mais on manifeste aussi en étant et pas que en faisant. Et c'est ça qu'on t'apprend cette semaine. Donc, ici, il y a encore ouais, cette notion d'être pas très bien dans sa peau, d'avoir l'impression que les choses sont un peu ternes. Il y a une sensation d'être lâche, d'être lâche dans se relâcher en fait, dans se lâcher prise, c'est assez intéressant. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte par rapport à celui de bâton? Ouais, bah pourtant, hein, pourtant c'est là, hein. Pourtant c'est là en fait. Tu peux avoir. Je pense que cette semaine, on t'invite à être beaucoup plus attentif, attentive à ce que tu reçois dans ta vie. Parce que ça n'a pas l'air comme ça dans les apparences, mais ce sont des choses qui peuvent t'apporter ce que tu attends de façon très efficace. Donc cette semaine, l'expérience, en fait, ça va être plutôt de où est-ce que j'ai loupé des opportunités, où est-ce que j'ai loupé des signes, et a fortiori, en fait, tu vas voir ces signes-là que tu auras eu dans la semaine. Ça peut être des situations, ça peut être des paroles venant d'autres personnes, ça peut être t'as fait une action dans un état de flow, de créativité sans trop savoir quel résultat ça allait donner. Et puis en fait, limite à la fin de la semaine et le week-end, tu vas te dire, ah mais en fait c'était là, c'est bon, là j'ai posé la bonne action finalement sans m'en rendre compte et de façon très efficace. Donc il y a un voyage, il y a un changement hein, vraiment qui arrive de façon très rapide, de façon légère. Il y a une ouverture, mais ces limites, tu vas pas forcément le voir en fait. Et c'est ça qui va t'apprendre justement à venir nettoyer. En fait, ça te permet plus de venir nettoyer et presque d'exprimer au travers de tes émotions des choses du passé. Et après, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es déjà dans le moment présent et même en train de vivre le cycle suivant que tu attendais de voir arriver. C'est souvent comme ça, hein, le lâcher prise, on ne s'en rend compte que après l'avoir vibré. C'est exactement ça. Cette semaine, tu vas manifester des choses sans t'en rendre compte. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que du coup, il n'y a pas forcément de concentration mentale ou voilà, de divergence du coup entre différentes parties en soi dans l'inconscient. C'est juste en étant soi-même, en vibrant, que tout d'un coup quelque chose t'arrive. Et c'est là que finalement on est le plus aligné, c'est en se laissant vivre. Se laisser vivre, ça va être vraiment le mot d'ordre de cette semaine, je trouve. Mais voilà, il est possible que tu sois dans cette perception de toi et de ta vie cette semaine qui va peut-être soulever quelques frustrations, une certaine impatience, alors qu'en fait, les choses arrivent. On te le dit, les choses arrivent. Très intéressant. Oui, je voulais quand même poser une question parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui arrive à toi. J'avais envie ouais, de voir un peu quelles étaient les personnes de ton entourage cette semaine, quelle est l'énergie qui vient à toi au travers des personnes ou d'une personne. Et c'est quelqu'un qui a pas l'air trop décidé, qui vient à toi, mais en disant bah, je sais pas en fait, je sais pas si j'ai vraiment envie de. Comment j'ai. C'est surtout le comment. Comment j'ai envie de revenir vers toi. C'est assez intéressant ça. Ouais, il y a vraiment
il y a encore quelque chose, une sorte de duplicité, un peu comme un concombre masqué qui vient à toi, tu sais. Limite, c'est quelqu'un qui t'appelle avec en ayant mis le la fonction numéro masqué. Il y a un truc comme ça. Bon, c'est une image, hein, mais concrètement, ça peut se passer autrement. Mais il y a un peu un truc comme ça, quelqu'un qui vient à toi, mais qui est pas tout à fait convaincu de ce qu'il va dire ou ce qu'elle va dire, de qui se sent pas forcément capable, qui va essayer de s'adapter, de comment je peux prendre de prendre la température avec toi, et puis du coup de dire les choses selon toi. Voilà, il y a, c'est, alors c'est pas une manipulation mal placée, c'est juste un manque de confiance en soi par rapport à cette personne qui vient ou ces personnes, ou enfin voilà, ça peut être aussi de façon générale dans les interactions avec ton entourage. Il y a un truc comme ça. Ok. Alors, on va tirer d'autres cartes par-dessus. Bon, on m'a dit que j'ai pas besoin de les faire tomber. Je vais juste mélanger. Tac. C'est bon. Je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier ? On a le 7 de bâton. Donc, ouais, il y a besoin de... C'est marrant de se renforcer. Il y a comme un état des lieux qui se fait, qui n'est pas tout à fait confortable et qui se fait encore une fois, hein, comme je te dis, dans le silence, dans cette introspection intérieure. Tu sais pas trop où placer ton prochain pion, en fait. Ouais, tu sais pas trop où poser ton prochain pion. Attends, il est où le cadre ? Ouais, on sort un peu du cadre là, mais bon, ça ira. Avec ce 8 d'épée et ce chevalier de denier, t'es pas trop assuré non plus. Et c'est pour ça que les personnes qui viennent à toi, qui sont dans l'interaction cette semaine avec toi, sont pas sûres non plus, sont pas convaincues tout à fait de comment venir vers toi. Parce que bah là, t'es un petit peu en train de réaiguiller les choses. Il faut le dire, il y a quand même une petite confusion hein, en ce moment. Tiens, on a ce roi de denier, c'est intéressant. Il y a une petite confusion, mais qui te permet en fait de voir toutes tes croyances, de voir ce qui est dans tes fondations intérieures, dans tes croyances, dans tes pensées aussi de mésestime de toi, de je ne peux pas, je ne suis pas capable. Il y a toute cette effervescence qui remonte en fait de pensées limitantes, de blocages, de résistance, de retenue à faire les choses. Et c'est justement grâce à ce brouillard que tu peux voir ce qui paraît être convaincu à l'intérieur de toi et qui finalement n'est pas convaincant, ne te convient pas et ne t'amène pas forcément vers justement de la nouveauté ou vers ce que tu désires de nouveau dans ta vie. Ici, ce que tu vas recevoir, c'est quand même des opportunités de te sentir plus accompli émotionnellement, en fait. Il y a quand même de beaux cadeaux qui arrivent à toi cette semaine. Hein. Mais encore une fois, ça peut être de façon superficielle, enfin aux apparences. C'est pas forcément un truc mirobolant. Mais il y a quand même des petits cadeaux qui viennent à toi, des petits moments d'émotions agréables, de connexion, d'amour, en fait. De se sentir à la maison avec les autres ou dans les situations que tu vis. Et c'est comme si tu passais un peu outre parce que ce brouillard, en fait, il persiste et il te permet surtout de te rendre compte grâce à ces portes ouvertes ensoleillées, hein, en quelque sorte. Bon, c'est un peu... je trouve que ça participe un petit peu à la météo actuelle, hein, où on a quelques rayons de soleil entre 2-3 heures de pluie torrentielle. C'est un petit peu ça. Mais ça te permet de goûter... T'as quand même des extraits, en fait, comme des extraits floraux de la vie future. D'une vie plus ouverte, plus joviale, plus alignée, plus dans les actions, hein, je parle aussi.
Donc ici, tu es en train de renforcer, en fait, on me dit, tu es en train de renforcer ton aura tout en faisant le ménage à l'intérieur de tes énergies par rapport à ce passé. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier? On a le 2 de bâton. Donc encore une fois, on te dit bien, profite du moment présent, c'est ce que tu as appris la semaine dernière. Profite du moment présent, il n'est pas temps de faire trop de projets à long terme. Le voyage, tu l'as déjà... J'ai envie de dire, avec ce roi de denier, le voyage, tu l'as déjà planifié, en quelque sorte. Sauf que peut-être que tu t'es basé sur des croyances du passé, sur des expériences du passé, par rapport à comment les choses devaient se passer. Là, en fait, tu es en train de sortir du contrôle. Oui, tu as envoyé à ton inconscient et à l'univers des messages de « je veux recevoir ça comme changement, je veux ça en mieux, je veux développer ça, je veux attirer ça à moi », que ce soit le domaine sentimental, professionnel, personnel, etc. Ok, mais de par ton expérience du passé, tu as nourri ce « je voudrais recevoir ça », ces désirs, ces rêves. Tu es allé un petit peu trop loin dans le scénario en te disant c'est comme ça, dans cet ordre-là, que les choses vont se passer. Ouais, mais sauf que ça s'est basé sur des limitations, sur une croyance de il me faut d'abord ça, il me faut d'abord avoir terminé ça pour pouvoir mettre ça en action. Bah non, en fait, la vie, ça se passe pas comme ça. Et là, on t'invite, on te prépare en fait à te laisser surprendre par toi-même. Et tu vois, on a carrément ce valet de coupe à l'envers et ensuite la reine de coupe. Donc ici, on t'invite à être dans l'acceptation, dans l'accueil de tes émotions et à apprendre à mieux te connaître émotionnellement. Parce que ça n'est pas en faisant disparaître sous le tapis ce passé, ces expériences du passé, cette vision peut-être un petit peu terne de ta vie ou de ton passé ou de certains pans, je sais pas, ça peut être le domaine sentimental ou le domaine professionnel, de « je n'ai pas pu »,« je n'ai pas réussi à »,« je ne vais jamais jusqu'au bout des choses », même si je m'engage, au bout d'un moment je me désengage », enfin des choses comme ça, des croyances sur toi en fait. Ça, tu ne peux pas le faire disparaître. Tu as besoin de l'accueillir. Pourquoi ? Quelles sont les parties en toi ? Quel âge ont ces parties en toi qui ont appris ça de toi, que tu ne peux jamais t'engager jusqu'au bout ? C'est une vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la seule vérité sur toi, mais c'est une vérité à prendre en compte. Parce qu'il y a eu une expérience, parce qu'il y a eu comme un contrat de signer, ok, j'ai vécu telle expérience, et donc j'en ai conclu sur moi et sur la vie que je ne pouvais jamais m'engager jusqu'au bout dans une relation, dans une activité ou quoi qu'est-ce. Je te donne cet exemple-là. Elles sont à prendre en compte, ces parties-là, mais elles ne doivent plus être la seule conviction pour ton futur. Elles ne doivent être juste que des jalons, en fait, des drapeaux par rapport à des moments où tes émotions sont peut-être en train de s'exprimer, des émotions de regret, etc., de tristesse, par exemple. Mais la tristesse, je le rappelle, le besoin de la tristesse, c'est de faire le deuil du passé. Donc ça a besoin d'être exprimé, mais ça n'est pas la seule vérité sur toi. Attention à ce roi de denier qui peut rester bloqué dans quelque chose d'acquis. Ok, je m'identifie à ça, je me suis identifiée de par une expérience à ça, donc je reste cette personne-là. Non, ici, on t'invite à t'ouvrir à autre chose et à sortir du contrôle, à profiter du moment présent et de sentir, en fait... De reconnecter, de recontacter petit à petit ce cœur qui bat à chaque fois et qui à chaque battement change, d'accord, suit le cycle de la vie, le cours de la vie. Parce qu'ici, il y a énormément d'ouverture que tu es en train de débloquer, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs là-dessus ? C'est le 6 de bâton. Ouais. En fait, le rythme auquel les choses se font actuellement pour cette semaine... Et donc laisse-toi traverser aussi ces moments d'impatience, d'imprudence aussi, on me dit. ça te permet de ne plus, à l'avenir, ça te permettra de ne plus forcément t'appuyer que sur soit j'ai pas confiance en moi, soit je suis convaincue de limitations, de croyances limitantes, de mésestime de moi, soit il y a des moments où je suis dans l'euphorie créatrice, dans un certain volcan d'activité, de suractivité même, avec un côté un peu...
ah, ça y est, je reconnais la richesse et la valeur de mon être. Mais sauf que, on te dit encore que là, tu es en train de trouver un axe médian entre deux côtés de la balance. Et c'est justement, hein, parce que ici, le 6 de denier nous parle d'opportunités, de choses qui viennent de l'univers, de la vie, de l'extérieur, même des fois dans un aspect matériel, hein. Et le 6 de denier, c'est la charité aussi. C'est soit quelqu'un qui est charitable envers toi-même, ou la vie qui est charitable, et de la même manière, c'est toi qui l'es avec toi-même, hein, parce qu'on a quand même cette reine de coupe. Et le 6 de denier, c'est quelque chose, un dernier élément, la pièce du puzzle qui te manquait jusqu'à présent, qui vient rééquilibrer la balance et qui vient dénouer tous les blocages. Et c'est exactement ça ici. En fait, tu vas apprendre la raison pour laquelle les choses se font lentement et pour laquelle tu traverses encore un certain brouillard sans trop savoir où tu vas. C'est déjà pour apprendre à profiter du moment présent et à profiter de la transmutation qui se fait dans le cœur, même si tu n'as pas des ressentis très précis au niveau de tes émotions. Ça t'apprend en fait l'humilité. C'est pour ça que les choses n'arrivent pas tout de suite. C'est parce que tu sors du contrôle. L'humilité de te dire je ne suis pas que créateur, créatrice de ma vie, je suis co-créateur, co-créatrice de la vie avec l'univers. Donc je ne sais pas comment les choses vont m'arriver. Je sais ce que je veux, je sais que ça va arriver, mais je ne sais pas comment. Le comment et le résultat final, là tu apprends à sortir de cet ego qui veut contrôler les choses et qui veut que les choses se passent dans un certain ordre, dans certaines circonstances. Très intéressant. Ben voilà, on a quelqu'un qui, même si cette personne ou ces personnes viennent à toi, les interactions en tout cas avec l'extérieur, même si ces personnes ne savent pas trop, elles non plus, parce que je pense qu'elles baignent un peu dans ces énergies-là aussi, il faut le dire, même si ces personnes se trouvent un petit peu dans le brouillard aussi et savent pas trop quoi venir te dire. Elles viennent vers toi mais elles savent pas quoi te dire. Elles savent pas sur quoi s'appuyer. C'est aussi une ouverture. Attends, je vais tirer une deuxième carte, mais ouais. Ouais. C'est aussi une ouverture à l'écoute. À l'écoute, et surtout, ça va te permettre de te dire « Ah, ben en fait, il y a un espace de co-création avec les autres aussi qui est possible, un espace qui est en train de s'ouvrir, où la personne n'est plus en train de venir me dire « Moi, je sais tout, et moi, j'ai décidé ça comme ça, et toi, comment tu veux t'adapter à mon truc ?» Ou bien quelqu'un de complètement soumis aussi, à l'inverse, hein, qui peut « Alors, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que t'as prévu de faire? Moi, je te suis. Hein. » Là, il y a vraiment un espoir retrouver, il y a quelqu'un qui est en train de te ramener plus d'espoir ou qui vient chercher aussi en échange, hein, qui vient chercher aussi un échange qui te permet et lui permet à cette personne de retrouver de l'espoir, de retrouver une certaine guidance en fait, une certaine foi en l'intuition et en la vie, parce que là effectivement il n'y a pas de base en fait. Tout ce qui était convaincant avant, tout ce qui était dans ton identité, hein, vraiment profondément, tout ce qui était stable, ne l'est plus vraiment. Parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a un ego qui est en train d'être remesuré, j'entends. Il y a un équilibre qui se fait. Donc ces personnes, elles viennent pour mettre fin, soit elles te permettent à toi, enfin je pense en effet miroir en fait, il y a une fin de cycle, notamment peut-être ici, il y a peut-être des personnes aussi avec qui il y a eu des quiproquos, des conflits, des personnes qui t'ont un peu déçue, mais parce qu'il y avait des attentes aussi de ta part. Ici, ces personnes reviennent un peu pour mettre fin à ce cycle-là, émotionnel notamment, et de pensée bien sûr, qui ont confirmé en fait des croyances que tu avais sur toi, qui ne sont plus vraies et qui ne l'ont jamais vraiment été, mais sur lesquelles tu t'étais basé jusqu'à présent. Donc ici, il y a quand même une notion, je pense, dans les interactions, dans les énergies qui viennent à toi, les personnes qui viennent à toi, il y a quand même cette notion de pardon, de ben en fait on va réparer les choses ensemble, en fait. Il y a un truc comme ça. Voilà. J'ai envie de tirer une carte du Connected and Free pour voir justement, hop là, synthétiser un peu. Et on en a plusieurs. Pensez à votre cœur. Oui, ici avec ce page de coupe, ce valet de coupe et cette reine de coupe.
Et même par rapport à ce qui a été traversé la semaine dernière, on te dit bien qu'ici tu es en train de rallumer la flamme de ton cœur, d'accord ? Guérison, voilà, guérison. Il y a une guérison du cœur qui est en train d'être faite, alors notamment grâce à aussi des opportunités, des portes ouvertes, c'est pas les portes ouvertes de ton cœur, non, parce qu'ici avec ce 7 de bâton, tu as quand même besoin de poser quelques limites, d'être dans le silence, mais au niveau énergétique et au niveau de l'ouverture du cœur, au-delà de l'ego, parce que l'ego est en train d'être nettoyé, tu sens déjà qu'il y a quelque chose, une guérison, des relations, même si c'est des personnes avec qui tu n'es plus en interaction, hein, des relations passées. Il y a beaucoup le relationnel hein, quand même, la relation à soi, à son cœur, nettoyage des pensées, retrouver une certaine lumière, une certaine guidance. Donc même si tu n'es pas en interaction directe, tu sens quand même dans les énergies qui viennent à toi, que tu intègres dans tes corps cette semaine, qu'il y a quand même une belle guérison des relations et de la relation à toi-même. Là, en fait, tu apprends à... Avec cette tasse, hein, je trouve, on a quand même encore cette notion, cette reine de denier. Prends le temps de t'ouvrir à toi-même, au plaisir aussi, je sais pas moi, d'être dans ton corps, d'être là, de te faire un chocolat chaud. Enfin, y a voilà, des petits plaisirs en fait qui sont à sa portée cette semaine. Alors c'est intéressant quand même, je voulais m'attarder un peu là-dessus, pensez à votre cœur. C'est quand même assez intéressant que ici, le valet de coupe et la reine de coupe, on t'invite quand même à ressentir plutôt ton cœur, à apprendre de nouveau à ressentir ton cœur. Mais avec tout ce qui se passe au niveau des épées ici, tu es en train d'apprendre aussi à recalibrer, à réaccorder voilà, les pensées et les émotions, et donc la tête et le cœur. C'est ça que nous dit cette carte, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut avoir... Hop là, on a encore deux cartes, j'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. On est gourmand. Bah, chakra couronne et rayonner. Bah voilà, avec ce 10 de coupe ici, tu es en train de... Oui, parce que, en fait, là, ça peut être aussi des informations juste intuitives. Des choses vibratoires hein, qui descendent par le chakra couronne avec une ouverture de l'esprit hein. Le chakra couronne quand il est disharmonieux, fermé ou quand il tourne pas dans le bon sens on va dire, quand il y a des énergies cristallisées qui bloquent en fait ce chakra, souvent on a des pensées, une façon de penser fixe, figée, et notamment figée sur des croyances limitantes, sur une vision de soi qui est plutôt pessimiste, qui est plutôt issue de moments qui ont été de l'ordre des blessures que justement de cette estime de soi, de cette ouverture, hein, parce que tu vas quand même vers ce valet de bâtons là. Hein. Donc... Je dirais que le brouillard ne va pas se lever tout de suite, mais tu apprends quand même à rayonner. Voilà, tout simplement, à rayonner. Je trouve que c'est très joli, ces cartes-là. Je pense que tu vas avoir aussi peut-être des... Il est possible que tu attires à toi, alors peut-être pas cette semaine, peut-être les semaines qui viennent encore, mais que tu vas attirer à toi des personnes qui vont te rappeler à chaque fois, qui vont te dire « Ok, bah là, toi, tu as... » une croyance un peu fermée sur toi, c'est un peu des personnes qui viennent vers toi et que tu vois avec cette étoile qui te disent tiens je vais te prêter la vision que j'ai de toi, je vais te prêter ma croyance, le fait que je crois véritablement en toi, et ça va te permettre de te dire bah oui en fait même si j'ai une mésestime de moi, un manque de confiance parce que je suis en train de transmuter des choses, de me reconnecter à mon cœur et du coup je guéris des choses, ça n'empêche que je suis déjà en train d'inspirer les gens en fait, je suis déjà
Ça, c'est un échange que j'avais eu il n'y a pas longtemps là, avec des personnes où j'avais reconnecté à cette notion, bah, vu que je suis danseuse en fait, où moi, quand je regarde par exemple une vidéo d'une de mes danses sur scène, je me dis, bon sang, mais c'est quand même vachement sombre ce que je fais. Je ne vois que mes ombres en fait qui se sont exprimées. Sauf que les gens, ils ne voient pas du tout ça. Eux, ils voient quelqu'un de très lumineux sur scène, et ils me le renvoient d'ailleurs avec des compliments à la sortie du spectacle, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils voient pas ce que je vis moi à l'intérieur. Et en fait, c'est ça. Quand on est artiste, quand on est créateur de sa vie, co-créateur de sa vie, en fait, les ombres, elles sont présentes, on les traverse, on les exprime, mais ça nous permet d'exprimer la lumière en même temps. Et les gens reçoivent le rayon unique que l'on transmet. C'est exactement ça qui se passe cette semaine. Ok, allez, on va prendre un petit conseil de fin. Non, on me dit le super attracteur, que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Bon ça, on en est déjà à 40 minutes de guidance. À chaque fois, je veux faire plus rapide, mais non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais il y a toujours beaucoup de choses à dire. Alors, quels sont les conseils? 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je ne sais plus dans quel ordre c'est tombé. Alors, quand je suis, je pense qu'on va le traduire comme ça, quand je suis accordée à l'énergie d'abondance, je deviens abondance. Et oui, avec ce 6 de denier ici. Tu vois, c'est joli cette pluie-là d'orange, de rayons nourrissants. Appréciation, enfin, le fait d'apprécier, hein, te dit cette reine de deniers d'ailleurs, dissout tous les blocages à être en présence de mon pouvoir d'attraction et de manifestation. Donc, le fait d'apprécier le moment présent, tout simplement, te permet d'attirer, de manifester ce que tu souhaites. Et c'est quoi ça déjà, stillness? Excusez-moi, je ne suis pas très très bonne en anglais. Alors déjà, il y a deux S, L, E. Calme, dans le calme, exactement, dans le calme, je reçois. Et oui, c'est ce que je te disais, il y a besoin d'un silence, il y a besoin d'un certain silence. Même si tu es en interaction, même si tu es en communication, en action, etc. Mais il y a quand même besoin d'avoir toujours cet espace, hein, avec cette bâton-là, d'avoir toujours cet espace de silence à l'intérieur pour pouvoir, hein, tu vois, pour pouvoir penser à ton cœur aussi et pas être tout le temps au service des autres, au service de tes projets, etc. Non, là, il faut que tu penses à toi aussi. Mais c'est pas que tu penses que à toi pour te préserver, c'est juste qu'il faut que tu sois en connexion à toi dans tout ce que tu vis. C'est ce que nous récoltons de la semaine dernière et de cette nouvelle lune en taureau, et c'est ce qui va nous être vraiment utile, bénéfique pour l'avenir en cette semaine. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi!